dans un nouveau haul. Dans un nouveau haul du mois d'août, haul beauté et mode en même temps, on fait les deux. Ça va peut-être être un petit peu long, alors je vais commencer de suite. Donc dans les articles de beauté, j'ai acheté chez Kiko ce top coat, ce mascara top coat volume. Donc c'est le False Lashes Concentrate volume top coat mascara. Donc c'est le violet comme vous voyez. C'est en fait un top coat que vous appliquez après avoir appliqué votre mascara. Et honnêtement c'est trop bien. Voilà, franchement ça donne encore plus de volume. C'est vraiment le top. Là, vous voyez, vous avez une petite boule comme ça. Je vais vous faire un petit zoom, voilà. Et en fait, c'est vraiment, vraiment le top. Ça donne vraiment encore plus de volume. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires sur la vidéo top et flop que j'avais faite, où vous me donnez tout plein de mascaras, aussi bien les uns que les autres. Donc vraiment, je vous remercie vraiment pour tous vos commentaires. J'essaierai d'en tester plusieurs. Là, pour l'instant, j'ai testé l'Oréal. Le million de cils, là, effet un million de cils, je sais plus quoi, un truc comme ça. Et franchement, il est top. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Et donc voilà, avec ce petit top coat juste après, ça fait vraiment des cils super grands. C'est vraiment super. Donc ça, je vous le conseille, c'est vraiment super bien. C'est chez Kiko, je crois que ça coûte dans les 6,90€ ou 7,90€, quelque chose comme ça, et c'est trop bien. Ensuite, dans le haul, voilà, pour ce qui concerne la beauté, donc là, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de la part de Remington. Vous savez que la dernière fois, j'avais reçu un fer à lisser kératine thérapie. Et là, j'ai reçu le fer à friser, le fer à boucler plutôt, de la même gamme, donc voilà, de la même gamme, kératine thérapie pro. Donc ça a les mêmes vertus, il y a un petit peu plus de protection que dans les autres fers à boucler, de manière à ne pas trop abîmer les cheveux. Vous avez le même système de température, etc. Vous choisissez votre température en fonction de vos cheveux. Si vous avez les cheveux fins, une température plus basse. Si vous avez les cheveux plus épais, vous pouvez vous permettre une température plus haute. Voilà, donc ce fer à boucler, il est top, je l'ai testé, il est super. Pareil, il y a le cordon rotatif comme dans le fer à lisser et il est vraiment vraiment bien. Donc sachez que j'en ai reçu deux et que il y en a un des deux donc que je vais vous faire gagner pour un concours de rentrée. Donc ce sera ça le lot. Je ne vais pas encore le commencer vu que je pars en vacances en samedi. Donc ce concours commencera dès que je rentre de vacances, donc c'est-à-dire début septembre. Mais ce sera ce lot à gagner, à faire à boucler pour la rentrée. Je trouve que c'est bien, au moins voilà, ben, celle qui gagnera pourra se faire des boucles pour la rentrée. Donc voilà, ça c'est un très bon produit, la marque Remington, franchement au top, j'aime beaucoup. Et vous avez aussi le petit étui pour mettre dedans. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai reçu de la part de Remington et que j'ai beaucoup aimé. Je vous ferai des tutos de coiffure avec, bien sûr, pour vous montrer un petit peu comment je m'en sers, etc. Alors pour la beauté, bah, c'est tout. Donc vous voyez que c'était court. Et maintenant, on va passer tout de suite au fashion haul. C'est là qu'il y a beaucoup d'articles, étant donné que j'ai encore profité des dernières soldes qui restaient sur le net. Je suis vraiment désolée, mais c'est encore tout plein d'articles d'internet, alors je m'excuse parce que vous êtes nombreuses à me demander des hauls avec des articles que j'achète en magasin, mais j'achète très, très 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 peu en magasin. Mais je pense qu'en septembre, vu que je vais à Barcelone là pendant mes vacances, je vais acheter des choses en magasin et je pense qu'en septembre j'aurai des choses que j'ai achetées dans les magasins à vous proposer plus que là. Donc là on va commencer tout de suite par ASOS. J'ai encore passé une commande sur ASOS, c'est fou, je suis sûre que vous êtes étonnés. Alors j'ai commandé un crop top, vous le savez pour celles qui me suivent sur Facebook puisque je l'ai publié en photo. C'est un crop top avec, avec des toutes petites manches, avec les épaules ajourées comme ceci, col montant et derrière, voilà, dos nu, ça forme un petit triangle, que j'ai payé 9,11€ sur ASOS pour la fin des soldes. Je l'aime beaucoup, je le trouve très beau. En fait, je voulais à tout prix un crop top blanc et j'ai beaucoup aimé la forme de celui-ci, les épaules ajourées, tout ça. Donc, j'ai craqué pour ce crop top à 9€ sur ASOS. Ensuite, toujours sur ASOS, voilà, j'ai commandé cette robe. Avec, là comme vous voyez c'est ajouré, il y a une espèce de petit nœud là, enfin nœud, bref.
Une robe, c'est une robe t-shirt en fait, hein, on peut dire. Elle est vraiment très très courte. Alors là, elle est ajourée, on voit la peau. Hein, ce n'est pas noir en fait, ça c'est le dos. Mais en vrai, elle est ajourée. Donc là, on voit vraiment la peau. De toute façon, vous voyez normalement comme elle remportait. Donc voilà, ça c'est une... C'est une robe que j'ai payée 11 euros et quelques. C'est la marque Club L. Donc je l'ai achetée sur Asos. Je l'ai payée 11 euros et quelques. Et honnêtement, je ne sais pas si je vais la mettre pour des soirées, etc. Pour moi, pour ma part, elle est vraiment courte. Donc c'est vraiment une robe que je vais mettre pour la journée, pour la plage, etc. Quand je pars en vacances, là. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, que je vais mettre pour la plage, pour la journée. Mais pas trop pour les soirées. Parce qu'en soirée, moi, j'aime bien mettre des talons. Et là, talons plus... C'est très très court, donc ouais, je vais éviter. Mais voilà, mais sinon j'aime beaucoup ces couleurs, j'aime beaucoup cet effet un peu, voilà, peinture là, on dirait, je sais pas, j'aime bien. Ensuite, toujours sur Asos, et pour terminer avec Asos, j'essaye d'aller vite. Je pense que pour l'instant ça va chien le fil. toujours sur Asos, j'ai commandé une combi short. Ah, très classe, hein, on change de registre là. Donc c'est une combi short, ce n'est pas une robe, hein, c'est une combi short vraiment, mais short très large, vous savez, short jupe, un peu short culotte, je ne sais pas trop comment appeler ça. Donc vraiment short large, doublé avec un petit voile, et là vous avez le haut assez décolleté quand même, avec des sequins, ça s'attache comme ça, voilà. Et voilà, c'est une combi short très classe. En fait, elle coûtait 15 euros. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit, franchement, une combi short comme ça, ça peut être sympa l'été pour une belle soirée ou même pour, je sais pas, pour un mariage, des fiançailles, je ne sais pas. Ben, je me suis dit, je vais l'acheter. Je trouverai forcément une occasion pour la mettre. À 15 euros, ça vaut le coup. En plus, elle est vraiment classe. Je me suis imaginée avec un make-up, genre avec la bouche bien rouge, très glamour. Et bon, voilà. J'aime bien, donc 15 euros et les poussières sur Asos, toujours. Ensuite, on passe à Forever 21. Alors, sur Forever 21, j'ai acheté dans un premier temps une robe à 15,75 € que j'ai beaucoup beaucoup aimée, donc très colorée comme vous voyez, très 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 colorée, vive les couleurs. Alors cette robe, je l'aime beaucoup, elle fait très années 90, très rétro. Et voilà, c'est ce que j'aime, vous savez que c'est mon style. Donc voilà, elle arrive au genou. Et voilà, elle est assez serrée, c'est vraiment... elle est très moulante. Mais elle est très très jolie et je l'aime beaucoup. Je la porte en vacances, obligée, obligée. Je l'aime, j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est Forever 21. Ensuite, sur Forever 21, mais dans un autre style, j'ai acheté un pantalon à 19,75 €. Un pantalon plus sportswear, beaucoup plus sportswear, avec des poches en simili-cuir, et même derrière c'est aussi en simili-cuir. Il est gris, c'est la matière jogging, vous savez, vraiment très joli, voilà. À porter, moi je l'imagine bien à porter avec un crop top, et pourquoi pas des chaussures plus classe, justement, pour casser le style sportswear, enfin pour contraster avec le style sportswear. Sur le mannequin, sur Forever 21, elle a des talons et je trouve que ça fait super classe. J'aime beaucoup ce contraste de style. Donc voilà, à voir, mais sinon avec un style plus sportswear et des petites baskets, pourquoi pas aussi. Mais j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, Forever 21, c'est terminé. Maintenant, on va voir River Island. Alors, River Island, j'ai commandé, c'était les soldes toujours, ce petit porte-monnaie en forme de fraise. J'ai trop aimé, j'adore les fraises, vous le savez. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce porte-monnaie, c'est pour mettre ma petite monnaie, voilà. Vous savez, je suis comme les enfants, j'aime bien les trucs comme ça. Donc voilà, je trouvais assez original, je l'ai payé 4 euros en solde sur River Island. Et ensuite, j'ai commandé sur River Island un sac à dos blanc clouté, que j'aime beaucoup, voilà. Il était en solde également, je l'ai payé 24 euros au lieu de 45, quand même. Voilà, donc il est super joli, clouté, voilà. Je vais le prendre pour mes vacances, étant donné que je pars à Port Aventura. Donc je pense que pour les journées comme ça, dans les parcs d'attractions, etc., il vaut mieux avoir un sac à dos, même quand on voyage. Ça fait moins mal au bras et puis c'est plus pratique. Donc voilà, j'avais déjà un sac à dos noir clouté que j'avais apporté aux États-Unis quand j'étais partie. Et puis là, pour l'été, bah, je me suis dit un blanc, c'est cool, c'est sympa. En plus, voilà, il est assez grand, je peux mettre pas mal de choses, il a plusieurs poches. Enfin, il est joli, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est River Island. Ensuite, un petit jean. Que j'ai reçu de la part du site Sojin. Vous savez que tous les mois je reçois un jean de la part de ce site.
c'est le jean du mois en quelque sorte, c'est moi qui le choisis par rapport, bah, par rapport à mes goûts bien sûr. Et ce mois-ci, donc pour le mois d'août, j'ai choisi le jean Cheap Monday blanc, hyper taille haute, donc super. Donc c'est le jean second skin, vraiment très skinny, très slim. Donc voilà, il est tout blanc, il est long. Et voilà, il est très taille haute, donc je trouve que c'est magnifique, j'adore ça. Je ne manquerai pas de vous faire des tenues du jour avec, bien évidemment. Mais vraiment super super joli, j'aime beaucoup beaucoup. Il coûte actuellement, il est en solde et il coûte 38,50€ sur le site de Sojin. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets en barre de description tous les liens des articles que vous pouvez encore trouver en stock, bien évidemment. Et voilà, celui-là, il est vraiment bien. Moi, je cherchais, j'ai pas trop de jeans blancs et j'en cherchais un. Et là, quand j'ai vu celui-là, taille haute, je me dis, mais c'est parfait pour moi. Moi qui adore la taille haute, c'est le top. Ensuite, commande de Nasty Gal. Donc, Nasty Gal... Toujours les soldes aussi, j'ai commandé cette jupe que j'adore, je vénère, j'adore, je l'aime trop. Elle est orange et bleue, elle fait encore une fois très années 90, enfin, j'aime beaucoup, vous le savez. Je l'ai payée à peu près, à peu près 15€, 18$, donc 15€, et elle est toute en nylon. Alors si vous n'aimez pas la matière, le nylon, bah, ne l'achetez pas, elle est toute en nylon, et donc du coup c'est une matière qui fait assez transpirer quand même, donc bon c'est vrai que quand il fait chaud, bah, ça fait transpirer, mais je me suis dit pourquoi pas, c'est génial, je vais transpirer des cuisses, magnifique, non mais je les trouve trop belles, et moi ça me dérange pas, donc voilà, pour la soirée, ça va, il fait pas trop chaud encore, donc voilà, je l'aime beaucoup, et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et je l'ai acheté sur Nasty Gal, qui est un site que j'adore, et voilà, et je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais voilà. Ensuite, j'ai commandé toujours sur Nasty Gal cette jupe, donc une jupe avec une basque, comme vous voyez là, une jupe paix-plume, avec une fermeture éclair au milieu, là, comme vous voyez, donc voilà. Je la trouve très fraîche, très sympa, pour l'été, c'est... le top. J'ai tout le temps ça, je sais, mais bon, après on a des tics de langage, on comprend pas pourquoi, mais bon. Donc voilà, cette jupe je l'ai payée à peu près une vingtaine d'euros, elle coûtait 23$, donc ça fait à peu près une vingtaine d'euros. Donc super jolie. Super jolie. Voilà. Et toujours sur Nasty Gal, un essentiel pour moi de la rentrée. D'ailleurs, je vais vous faire bientôt un Get Ready With Me spécial rentrée, donc spécial Back to School. Donc vous verrez que je pense que je vais mettre cette tenue avec, avec ce que je vais vous présenter là, c'est-à-dire une salopette en jean, une combi en dénim, ou appelez ça comme vous voulez. Voilà, c'est une salopette en jean, tout simplement. Voilà, donc voilà, tout simplement. Alors, il faut vraiment casser le style. Moi, avec ce genre de salopette, en plus très large au niveau des jambes, c'est très très large au niveau des jambes, je vais vraiment... faire des rabats déjà en bas, et je vais vraiment essayer accessoiriser avec quelque chose de beaucoup plus girly, de beaucoup plus féminin, de manière à contraster et à donner un look assez classe. Mon but c'est pas d'avoir un look garçon ou etc, c'est vraiment de féminiser la salopette en jean, donc vous verrez ça, mais voilà, je suis assez contente de cet achat, c'est très voilà, c'est très fun je trouve, et j'aime bien. Donc ça, ce sera donc pour... je pense que ce sera, ça fera partie de la tenue que je vais vous présenter pour mon Get Ready With Me spécial Back to School. Donc cette salopette, je l'ai payée 22€, quelque chose comme ça. Elle coûtait 26$, donc ça fait à peu près 22€. Sur Nasty Gal. Donc pour Nasty Gal, sachez que c'est un site que j'aime beaucoup. Je commande très souvent sur ce site, enfin j'ai commandé plusieurs fois sur ce site. Et c'est un site vraiment très sûr, très bien. Les frais de port s'élèvent à, je crois, 15€. Quand même, c'est assez cher, ça vient des États-Unis. Mais sachez que pour Nasty Gal, je n'ai absolument jamais eu de frais de douane à payer, de frais de taxes, etc. Malgré le fait que ça vienne des États-Unis. Donc sachez que Nasty Gal, je n'ai absolument jamais eu ce problème. Ce qui n'est pas le cas des articles que je vais vous présenter maintenant, c'est-à-dire les articles que j'ai reçus, que j'avais commandés sur le site GoJane ou GoJane, je sais pas trop comment on dit, à mon avis comme c'est américain c'est plutôt GoJane, voilà, donc ça c'est des articles sur lesquels j'ai craqué, j'ai passé une grosse commande quand même sur ce site, et ça vient aussi des États-Unis. Je ne sais pas exactement de quel état des États-Unis, mais bon, donc ça vient des États-Unis, et la commande de Nasty Gal aussi vient des États-Unis,
Mais pour les commandes de Nastigal, je n'ai jamais eu rien à payer au niveau de frais de douane, etc. Par contre, sur le site GoJane, que je vais vous présenter maintenant, j'ai eu des frais de douane, j'ai eu à payer un certain montant, assez élevé quand même. Mais bon, ça c'est par rapport au prix, je pense. Mais sachez que voilà, que j'ai eu des frais, des taxes à payer sur ce site-là, alors que sur Nastigal, ça ne m'est jamais arrivé. Pourtant, Nastigal, des fois, il y a eu quand même des colis assez volumineux, etc. Mais voilà, j'ai demandé à la poste d'où ça venait, j'ai demandé voilà, d'où viennent les frais de douane, etc. Enfin, par rapport à quoi c'est dû, est-ce que ça dépend des sites? On m'a dit que non, que ça dépendait pas des sites, que ça dépendait du pays où ça venait, etc. Mais bon, moi comme je commande souvent aux États-Unis, j'ai pas tout... Enfin vraiment, les sites pour lesquels j'ai eu des frais de douane jusqu'ici, c'était Light in the Box. Light in the Box et du coup celui-là, GoJane, c'est les... voilà. J'ai commandé deux fois Light in the Box et deux fois j'ai eu la taxe à payer et voilà. Mais sur Nastigal, jamais, sur Coastal Scent, jamais, sur Call & Terry Vintage, jamais. Voilà, les seuls sites où j'ai eu à payer des taxes pour l'instant c'est Light in the Box et GoJane. Alors après je sais pas si ça dépend des états des États-Unis, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, il y en a peut-être qui viennent de Californie, il y en a peut-être un qui vient du Nevada, je sais pas. Peut-être que ça vient de là, mais en tout cas, voilà. Moi, je pense vraiment que ça vient des sites. Il y a des sites sur lesquels on paye, des sites sur lesquels on paye pas. Il y a des sites qui passent pas à la douane. Je ne sais pas pour quelle raison, je suis pas une professionnelle, mais voilà. En tout cas, sachez. Je sais pas si ça peut arriver d'avoir des taxes sur Nastigal ou autre, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai commandé plusieurs fois sur Nastigal, jamais ça m'est arrivé. Sur GoJane, j'ai commandé une fois et j'ai eu la taxe. Et j'étais un peu deg parce que quand même, bon voilà, j'étais un peu deg, normal, quand on s'attend pas, voilà. Mais malgré ça, sachez que je ne regrette pas et que ce n'est même pas dit que je commande plus sur ce site, étant donné que je suis red dingue des articles que j'ai achetés, que j'ai reçus aujourd'hui et que je vais vous montrer tout de suite. Donc, je prends mon portable pour les prix. C'est parti. Donc j'ai acheté dans un premier temps des lunettes que j'adore, hyper classe, je les adore, ce sont des lunettes, comme ça, voilà, elles sont transparentes, donc ça peut être très bien aussi pour le style, je n'ai pas de problème de vue, donc les lunettes que j'ai qui sont transparentes c'est pour le soleil, pour moi ça ne me sert qu'à ça, parce que, ou alors vraiment pour faire du genre, parce que honnêtement je n'ai pas de problème de vue, donc quand vous me voyez avec des lunettes comme ça, c'est soit que je suis au soleil, soit que j'ai envie de faire style, j'ai des lunettes. Donc celles-ci, voilà, elles ont la branche en chaîne. J'aime beaucoup, elles sont très grosses, voilà, c'est des lunettes que j'aime bien, je les trouve très fun. Ça fait très vintage, j'aime beaucoup, elles sont très grosses. Et ces lunettes m'ont coûté 10$. Donc 10$, c'est-à-dire quoi, 8€, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'adore cet article, j'en suis folle, la red bang, tout ce que vous voulez. Ensuite, sur le même site, j'ai commandé un sac. Pff, je l'aime trop, il est trop beau. Il est transparent. Vous avez à l'intérieur une pochette un peu bronze en fait. Enfin, lui est transparent, mais la pochette c'est là où vous mettez toutes vos affaires, etc. Et voilà, il est tout transparent, jaune fluo, clouté, hyper beau. Et vous avez aussi la chaîne bandoulière au cas où vous voulez la mettre. Voilà, elle est là. Donc après, libre choix de mettre ou pas. Je suis folle de ce sac. Je le trouve magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Voilà, je l'aime trop. Et combien je l'ai payé? Je l'ai payé... 48$ quand même. Donc 48$, ça fait à peu près 40€, à peu près. Donc voilà. Mais je regarde pas, il est beau. Donc voilà quoi. Ensuite, j'ai commandé des chaussures. 3 paires de chaussures, il reste, et après on a fini le haul. Wouhou. Donc voilà, toujours sur GoJane, que je trouve magnifique. Donc voilà, ce sont des chaussures... en daim, ou imitation daim en tout cas, rouge. C'est inspiré, comme vous avez pu le remarquer, des paires de chaussures, d'une paire de chaussures d'un créateur connu, bien évidemment. Voilà, mais c'est inspiré. Mais celles-ci ne m'ont coûté que 34,50$, donc ce qui fait une trentaine d'euros. Voilà, elles sont toutes cloutées comme ça, super belles. Vous allez les voir dans mon...
d'un All My Shoes spécial été parce que je les aime beaucoup, elles sont super belles et voilà. Et j'en suis tombée amoureuse, j'en voulais absolument des comme ça, je trouve super belles, mais n'ayant pas les moyens de payer celles du grand créateur, je trouve que c'est une bonne alternative. Voilà. Ensuite, toujours sur GoGen, j'ai acheté des sandales, voilà, comme vous voyez, super belles, avec des chaînes, toujours, corail, mais vous avez d'autres choix de couleurs, et je les ai payées 26$, mais je crois qu'en ce moment, elles sont encore plus basses, parce que le prix a baissé, ils ont fait quelques soldes. Donc ces chaussures-là, ben, elles sont top, hein. Les chaussures plates, il en faut toujours l'été pour marcher, etc. Quand on part en vacances, voilà. On n'est pas toujours forcément en talons, donc du coup, j'avais envie de m'acheter des comme ça. Et je me suis dit noir, rose, et puis bon, mon côté un peu foufou l'a emporté et j'ai pris les corails. J'ai dit tant pis, je pourrais peut-être moins les mettre avec tout, mais elles sont super comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup, franchement, elles sont très très belles, honnêtement. Et pour terminer, sur le site GoJane, j'ai acheté des petites bottes. Des petites bottines plutôt, pourquoi pas pour la rentrée, mais bon, toujours une couleur un peu bon, qui me correspond. Donc celles-ci, je les ai payées 46$, ce qui fait quoi, 40€ à peu près aussi. Voilà, ce sont des petites bottines corail, donc vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ces bottines corail? Mais vous avez d'autres choix de couleurs, vous avez également du noir ou du blanc. Ouais, et du top aussi je crois. Mais moi j'ai voulu les prendre corail, je me suis dit c'est trop fun, ça change, etc. Bon, vous savez comme je suis, je vais pas faire un débat là-dessus, vous me connaissez maintenant. Donc voilà, donc moi j'aime bien, je trouve que ça change. Avec du jean, avec du blanc, avec du beige, vraiment, enfin voilà. Pour moi, je trouve super joli, avec toutes les petites chaînettes. Voilà, c'était la commande sous la... Sous le signe de la chaîne, vous voyez, il y a beaucoup d'articles avec des chaînes, mais voilà. Donc sachez que même si j'ai eu une taxe à payer, je suis ravie des articles que j'ai achetés sur GoJane. En plus, la qualité a l'air bonne, donc vraiment article au top. Bon, après la taxe à payer, c'est moins le top. Je me suis lancée parce que j'ai beaucoup aimé les articles, je me suis dit bon, je me lance. J'ai payé pas mal de frais de port et j'ai eu une taxe à payer, donc dans l'histoire je pense que les articles me reviennent cher au final. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée pour ça, mais en même temps je suis quand même contente des articles. Voilà, on verra si je renouvelle l'expérience GoJane ou pas, en tout cas si je la renouvelle. Vous saurez si j'ai eu encore à payer une taxe ou pas, à mon avis oui ce sera le cas, parce qu'à mon avis moi ça dépend vraiment beaucoup des sites. Quand ça vient des États-Unis, voilà. Faut se méfier. Voilà, écoutez, pour ce haul c'est terminé. J'espère quand même que ça vous a plu, que c'était pas trop long. J'ai essayé, comme vous avez vu, de vous mettre un petit aperçu des articles portés sur le côté. J'espère vraiment que ça vous fera plaisir parce que voilà, en ce moment je carbure vraiment pour les vidéos, pour essayer que vous en ayez vraiment, même quand je serai pas là, pour en mettre, pour les publier, les mettre en mode privé et après les mettre en mode public au fur et à mesure pour pas que, ben justement, pour que vous ayez des vidéos tout le long des vacances, même quand je serai pas là. Donc j'essaye vraiment de faire au mieux. J'espère que ça vous fait plaisir. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao. Take a deep breath, it's time to say goodbye. This may be the end, but it's okay, I'll be alright. Sad nevermore, baby, I'm sure it's for the better. Now it's